jusqu'au bout quasiment, et après tu tournes ici pour l'épingle. La réaccélération. Tu peux le doubler en faisant attention à lui. Et tu freines pour la chicane. La seule chose que je te demanderais, c'est de ne pas monter sur les vibreurs pour ne pas matraquer inutilement la voiture. On n'est pas en course. Là, tu t'écartes bien dans un premier temps et après tu plonges à l'intérieur. Et tu t'écartes une deuxième fois vers le côté droit. Tu vois, faut plus s'écarter avant de replonger ici à la corde. Faut bien sacrifier l'entrée de ton virage. Bien à gauche. Freinage en ligne. Pas fort. N'hésite pas à freiner fort quand tu arrives. Et après, tu reprends tout de suite ton accélérateur. Et tu t'extrais rapidement du virage. On remet bien en ligne pour le freinage en ligne droite. Ici au château d'eau, on plonge très tôt. Et on essaie de s'écarter vers l'extérieur. Reste bien à droite. Garde l'accélérateur ici, dans la courbe. Toute sur l'accélérateur et tu serres à gauche pour ton freinage en ligne ici. Fort. Alors après la chicane, si tu souhaites passer encore ça, donc il faudra que tu actives le petit bouton sur ton volant. Et surtout, n'oublie pas que tu passes en manuel. Donc du coup, il faut que tu procèdes toi-même au changement de vitesse. Super, reste bien à droite. Le petit freinage ici, tu reprends doucement l'accélérateur dans la courbe. Vas-y, reprends doucement, laisse-toi emmener pour lécher le vibreur à droite. Reprends l'accélérateur encore, mets tes roues droites ici pour le freinage. Et tu te laisses embarquer tout à gauche. Plus encore, et après maintenant, il faut aller rechercher l'intérieur. Et l'accélération en sortie, tu vas débraquer de plus en plus ton volant. Jusqu'à 8000-8005 pour utiliser toute la plage moteur. Super. Tiens les roues droites pour ton phase de freinage et tu penses, lâche pas le frein. Et tu rétrogrades. Une fois que tu as commencé à freiner, tu vois, faut pas lâcher le frein, sinon la voiture va reprendre l'inertie et finalement tu rates ta trajectoire. Accélération tout de suite pour t'extraire vers la droite. Tout à droite. Encore. Et tu tires un petit trait droit pour freiner ta voiture. Va chercher bien l'extérieur. Plus. Et maintenant corde. Voilà. Et là tu vas pouvoir réaccélérer plus tôt. Tu reprends l'accès. Écarte un petit peu plus sur la sortie, tu as le temps après de revenir à gauche. Bien, corde et réaccélération. N'oublie pas tes changements. Pars sur la droite, soulage et reprends l'accélérateur. Reprends et passe ta vitesse. Voilà, freinage en ligne, fort.
tu vois, t'es rentré trop tôt à l'intérieur. Tu vois, faut vraiment plus que tes cartes sur l'entrée. C'est un peu propulsion, alors il n'est pas vraiment exploité en propulsion dans sortie de virage ou autre, mais c'est plus agréable que celle en 4 roues motrices, je trouve. D'accord, bah ouais, c'est un peu l'objectif, hein. Depuis qu'ils ont fait avec la Balboni, ils ont toujours voulu rendre effectivement un petit peu plus joueur avec les deux roues. Voilà, je vais te laisser te mettre le long du drapeau là, ça sera